Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à la guitare avec un très joli morceau de Amos Lee qui se nomme Arms of a Woman. C'est un morceau qui se joue en 6-8 au tempo de 48 à la noire pointée. Alors, on y va, il n'y a que 4 accords, mais attention, c'est pas pour les tout débutants parce que va y avoir un petit arpège. Alors, on va avoir un La. On va avoir un Ré. On va avoir un Mi. Et on va avoir un accord pas trop compliqué à faire, mais qu'on voit pas souvent. C'est un Fa dièse mineur 7 add 11. Il y a juste à appuyer sur la deuxième case corde de Mi, deuxième case corde de Ré, deuxième case corde de Si, la corde de Si à vide et la corde de Mi à vide. Très joli accord. Alors on attaque avec le La sur deux mesures, mais avec un arpège. Alors là, attention, le plus pratique c'est pouce corde de La, pouce corde de Ré, index corde de Sol, annulaire et majeur corde de Si et de Sol, et on revient sur la corde de Sol. Ça nous fait, et on revient index pouce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il nous faut nos 6 croches dans la mesure sur cette mesure-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on fait ça une deuxième fois. Une fois qu'on a fait ces deux premières mesures, on passe sur le Ré. Attention, donc là, le Ré majeur, on enlève le deuxième doigt. Pourquoi faire? Pour venir faire un petit hammer rapidement. Corde de Mi qui vient frapper la deuxième case, donc le Fa dièse. Ce qui nous fait pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index à la main droite. Deux fois. Donc La, La, Ré, Ré. On revient en La, on fait la même chose que tout à l'heure. Et là, pour finir notre intro, on fait un Mi. Donc, pouce, 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 corde de Mi, La, Ré, index, corde de Sol, on revient, corde de Ré, on repart, corde de Sol, et annulaire majeur, corde de Si et de Mi, dans l'aigu. Ce qui nous fait, et on laisse sonner la mesure avec ces deux notes. Voilà pour l'intro. Donc, travaillez bien ça parce qu'après, on va retrouver ces clichés un peu partout dans le morceau. Alors, on continue avec le couplet. Alors, c'est simple, on fait la même chose que l'intro. Deux mesures de La, deux mesures de Ré. On revient sur deux mesures de La. Et là, on va faire le Mi, mais attention, c'est plus le même. On va faire un Mi qui va se transformer en Mi sus 4. Ça nous fait. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on fait un Mi. On fait les trois cordes, Mi, La, Ré. Et quand on arrive sur la corde de Sol, on va venir faire un petit hammer avec le petit doigt à côté du premier doigt, deuxième case. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va chercher la corde de Si, pardon. On revient sur la corde de Sol avec le petit doigt qui a pas bougé. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une grande descente en enlevant le petit doigt. Donc, annulaire, majeur, index, et on finit avec les trois cordes au pouce. Pour arriver au Fa dièse mineur 7 add 11, mais là c'est facile. Donc, une fois qu'on a mis nos trois doigts, pouce, corde de Mi, pouce, corde de Ré, index, corde de Sol, majeur, corde de Si, on revient, index et le pouce.
deux fois le fa dièse et on revient sur notre mi avec la même progression avec le sus de. Et on laisse sonner la corde de mi pendant une mesure. On revient faire notre ré avec le petit hammer. On revient sur notre mi, mais attention, on va pas faire toutes les cordes. Du coup, on peut mettre juste les deux doigts, comme si c'était un mi majeur en entier. On enlève le majeur, on peut le remplacer, et là, on part sur la corde de ré. Pouce index majeur annulaire majeur index. Et on revient sur notre La. Deux fois. Voilà. Et toute cette partie chantée est faite et jouée trois fois. Une fois qu'on a joué ça trois fois, il y a un petit solo de guitare. Et donc dans notre solo de guitare, c'est assez facile. On va avoir Mi, Mi, La, La, Mi, Mi, La, La. Alors pour le Mi, pouce. Après, on passe sur la corde de Ré. Donc Mi, corde de Ré, Sol, les deux dans l'aigu et on revient index majeur. Et le pouce, pardon. Et après, le La. Et on revient et on refait la même chose avec le Mi. La. Alors, si vous êtes un peu perdu, il y a la partition dans mon Patreon. Vous avez possibilité d'avoir toutes les partitions de guitare ou de ukulélé ou de basse sur mon Patreon. Donc, allez-y, jetez un œil. Si ça vous intéresse, vous pouvez devenir mon patron, du coup. Alors, on continue. On revient donc au chant. Mais là, ça va être, on va commencer sur le fa dièse mineur 7. Ad 11. Comme tout à l'heure, le même, deux fois. Le Mi, le même avec le sus 2 qui revient. On laisse sonner et on repart sur le Ré. Le Mi allégé et le La deux fois. Voilà. Et là, il re-entame à nouveau un chant, mais là qui va commencer sur le La. Alors, pareil que tout à l'heure, le La deux fois, Ré, La, et le Mi. Après, on passe sur le Fa dièse. Le Mi avec la note qui reste toute la mesure, comme ça. Pour la fin, on va faire trois fois Ré et Mi, comme ça. On passe sur le Mi à deux doigts, corde de Ré, pouce. Ré, Mi, Ré, troisième fois, Mi. Et là, on fait sonner, donc pouce, index majeur annulaire, corde de Mi, Sol, Si, Mi, et on laisse sonner deux mesures. Ensuite, Ré, ou on peut le faire comme ça, une mesure, Mi majeur, une mesure, Ré, une mesure, et le La, pour finir et conclure le morceau. Alors, je ne connaissais pas ce morceau, mais quelqu'un m'en a parlé. Donc, du coup, j'ai écouté, j'ai trouvé ça très joli. Et du coup, j'ai fait la partition. Je vous dis bon travail. C'est pas forcément pour les débutants. Donc, si vous êtes totalement débutant, le faites pas. Si vous êtes intermédiaire, vous pouvez commencer à y aller. C'est très joli. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, etc. Vous connaissez la chanson.